Eh bien oui, bienvenue toujours en ce vendredi 3 août de l'an de grâce 2018 du réveil de l'esprit de Men in Black. Bon, c'est une bonne journée quand même. Dehors, il fait variable. Je commence un peu de pluie pour demain. Je supporte plus la télé. Même là, hein. Putain, quelle grosse merde. En premier, t'as le faux cul. Présente l'euro million, et eh bien oui, le 62e millionnaire, tatatitata, gagné là-haut, là. Contrôlé par l'huissier de justice, maître en foireuse. Morceau de merde. J'aimerais bien aller voir, tiens, les 63 noms des 63 gagnants. Les 62 gagnants. Hein. Après, t'as notre chère famille. Qu'est-ce que c'est nul, franchement. Ça vaut pas un Colargol ou un Casimir. Après, t'as le Marriott. Alors ça, eh oui, un chèque de 500 000 euros. Qui va remporter cet incroyable chèque? Ils les ont déjà gagnés en prix des SMS et en machin comme ça, tu sais. La carotte pour faire avancer le bœuf. Sinon, ça va à peu près. Là, ça va être un week-end qui ramonne. Après la semaine de la lune rousse. Au décollage, tous les jours, elle était rousse presque. Non, non, c'est un bon vendredi. 3 août. Enfin, 13, c'est un vendredi 3. Je rappelle que la clé spatio-temporelle, elle s'est décollée du cyclotron. Et l'épée de Damoclès aussi. Ça, c'est un super bon signe. Ça y est, ils sont tous en vacances. L'autre, il se fait sucer dans la piscine à Fort Brégançon. Hein. La cougar, elle dit, laisse-moi la dernière goutte, quand même. Allez, va, un rêve, un dîner de travail, ce soir. C'est ça, ouais. Sinon, moi, ça va. Bon, sauf que je repasse en mode mégot du parterre, encore plus de tabac, encore plus une thune. Bon, c'est normal, j'ai l'habitude, j'apprends miséricordieux. C'est ce que je te dis. On va se démerder comme ça. C'est même plus de la vie. C'est même plus de la survie. C'est une demande. Qu'est-ce qu'on est mieux en noosphère, franchement. Voilà, voilà, voilà. Oh oh. Et oui, là en direct, nous sommes des cartes mémoire de l'eau. N'oubliez jamais que tu nais au point A, tu meurs au point B, ça c'est la vie de ta viande, il faut la nourrir, il faut manger. Mais qu'on ne casse pas les couilles parce que l'alcoologie c'est moi le chef. L'alcool ça te sert d'outil pour faire monter ton esprit. Pour pas écouter le commun des mortels qui raconte que des conneries, les formatés du bocal. Tu vois, si tu t'en sers d'outil pour ta nuit, toi, tu fais un voyage mon gars, c'est mieux que toutes les télés du monde. Hein. Les sensations que Spielberg et Besson se tombaient, c'est le charlot à côté. Béjour, béjour, monsieur Vincent. Il est rappeur de merde, là, non? L'autre, oui, il va finir en garde-à-vue, non? Mais quelle bombe de trou du cul sur pattes, eh. On mange tous pareil, la charrue, on chie tous, c'est là l'échappement. Hein? Mais ton espace-temps. En fait, là c'est le temps et dans l'autre sens c'est l'espace. Dans ton espace-temps, non, c'est la thyroïde, le capteur de points moraux. Vous ne comprenez rien. Quand c'est que vous allez admettre, que vous allez comprendre que vous n'avez absolument rien compris de la vie sur Terre? C'est pas le business, c'est pas le pognon, c'est pas le show business, c'est pas vendre son âme. C'est être juste et bon. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je fais crise de Nice. Parce que Brice, au niveau de l'esprit, c'était un peu léger. Hein. Oh, cassé. Mais quelle merde, putain. Vous riez des... C'est pas possible. Rire de Coluche, je comprends. C'est le dernier prophète. Je peux le mettre de mots. Prophète. Non reconnu avant moi. Mais rire des merdes qu'ils mettent à la télé, non. Le niveau est bas. Et la musique, non?
Il n'y a que de la merde en musique. Ta chanson en face 3 minutes 20 ou 3 minutes 30, ils te bombardent ça à la radio. Ça me rappelle même Rire et Chanson, quand j'avais téléphoné à la Lagnier. J'ai dit, ouais, nous on fait du rigol rock et tout, tu veux pas nous passer et tout. Oh non, nous on passe que du Cabrel, on passe que ce qu'on nous dit, on passe que... Ah ouais. Rire et Chanson, morceau de merde aussi. Enfin... Les comiques, c'est plus comme c'était. Puis la télé, c'est vraiment de la merde. Et le matraquage par les pubs, non? Je supporte plus de regarder la télé. Je regarde un peu Stata, parce qu'elle a rien d'autre à foutre. En fait, BHL TV, c'est bien pour les vieux. Tu sais, quand ils peuvent plus bouger dans le fauteuil roulant, ils les occupent. Après, la télé, c'est bien les dessins animés. Les gosses, quand ils t'emmerdent et que t'as quelque chose à faire, bon, ben, il n'y a pas de la télé. Voilà à quoi ça sert. Bon, 2-3 émissions sur Arte ou sur la 5, 2-3 trucs bien. Des fois la 3. De toute façon, les bons trucs, c'est la nuit quand c'est tard. Que le coma des mortels, ils ne puissent pas comprendre. Alors, on va profiter que c'est les vacances pour vous réveiller un peu la chetron, là. Non ? Hein, vous avez le temps de penser. Dans quelle enculerie sommes-nous atterrés ? Quel est ce monde de fils de pute à pognon ? De business de pognon ? FMI de mes couilles ? Bilderberg de mes deux. Un truc qui s'appelle le siècle, les Skullenbon, je sais pas quoi là. Tout ça c'est de la merde à pognon. C'est des gens, c'est même pas des larves. C'est comme les pies, la pie voleuse. Tout ce qui brille, tout ce qui a de la thune, le vernis à poufias, tout ça. Oh, ils aiment ça. Hein. Avec une belle femme, ça coûte cher à entretenir. Surtout quand c'est elle qui tient la caisse. Un cougar. Voilà, voilà les nouvelles du vendredi soir. C'était pour le 20h30, tiens. Pour TV Éternel. Télé Éternel TV. Envoyé spatial, c'est à vous, cognac, j'ai pas. Pas de chez Salut, Inch'Alamen, et ça ira bien. Ouais.